coup, bien passé, d'accord. Donc, faites bien attention ici, ici. Et toujours. Donc, vraiment ici. Quand il arrive ici, ça le permet de l'arrêter en haut, d'accord. Et ici, en fait, je le dévie juste ce qu'il faut pour qu'il rippe le long de mon corps. Et ça, c'est important, parce que si ici je le pousse, il va tout de suite changer. D'accord. Donc, vraiment ici, là. Là, je lui enlève la vision, je lui laisse juste le contact. Il a l'impression d'avoir touché ici. Là, il faut qu'il garde. Là, il faut qu'il se protège. Et quand je passe ici, je contrôle. Et je passe mon petit côté là. Donc, vraiment ici. Là. Ici. Pas poussé. D'accord. On avait des lits qui tournent autour du point fixe. D'accord. Parce que là, ici, il est toujours en danger encore. D'accord. Les deux côtés. Okay. Et là, c'est pareil. Vers lui. Vers lui. Vers lui. Et toujours vers lui. Malgré le fait qu'on n'ait plus le contact des mains. Ce qu'on fait ici, c'est juste un nuit et demi. Mais foncièrement, sur lui. Et là, on a le contact avec son bras. Ce n'est pas je relâche pour prendre son bras, parce que ça ne marche pas. Mais je pousse contre son bras. Je reviens ici. Et c'est lui qui doit me suivre. Regardez, on a vraiment ça ici. Là, ici. Je passe toujours vers lui. Je descends. Et regardez ici, là aussi, c'est pareil. C'est pas par au-dessus, hein, c'est par en dessous que je vais chercher la tête. Et donc, tout en poussant, je suis en poussée par rapport à lui. Ici, là, là. Il faut que je reste sous menace. Je tourne sur place. Vous vous rappelez que là, menacer la gorge. D'accord. Ici. Je le fais retourner. Donc ici, je retourne son coude vers le cou. Toujours l'exciter ici. Un petit peu. Je garde l'attention vers lui. Et pas en dessous. Je vais chercher la tête. Donc sur notre Chudansky, on a bien vu que on rentre ici, on rentre. Et on a notre Kuchikazuma. Mais. Faire la même chose en restant sur place. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas ça. Vous voyez, là, je me fais toucher. Et c'est bien ça. Ok. Et donc, en fait, il faut vraiment arriver ici à créer le lien, passer où ? Passer de l'autre côté et là. Donc, vraiment ici, sur son cou. Donc, contact, contact, je la tire, je passe, je frappe, et je tourne. Donc, vous voyez que on a exactement les mêmes éléments que pour l'uchi. Sauf que cette fois-ci, on va travailler beaucoup plus rapidement, plus directement, et on va travailler le sotokatenai. Du tout, on peut pas plus. Pareil que tout à l'heure, je cherche, je sors en irini. D'accord. Et là, maintenant, regardez, je ne peux pas simplement monter. Ce qui va monter avec moi. Donc, il faut que je descende, que je passe. D'accord. Donc, je ne sais pas si ça se voit, mais ici, on a exactement ce qu'on a fait tout à l'heure avec la rotation. Donc, je tourne ici, mon bras. Je tourne, je pousse vers lui. Et je reviens ici. Comme sur le Uchikatenai. Exactement pareil. Si, c'est juste plus court. Donc, ici, je l'accepte, je tourne, je passe, je coupe. Sotokatenai. Juste un petit correctif sur ce qu'on a fait avant, et du coup, on va passer à la suite. Donc, quand il arrive et que vous voulez être ici, en fait, là, vous faites toucher. Donc, vous ne pouvez pas attaquer. On va faire ici. Regardez, en fait, l'idée, c'est ici, de toucher par derrière. Il y a un point ici, derrière le coude, qui est assez intéressant à toucher, hein, parce qu'il y a les tendons qui sont directement pris, surtout quand il frappe. Hein. Donc, quand je frappe ici,
Hein, ça ne va pas lui faire du bien. D'accord. Et donc l'idée, c'est de frapper avec cette partie ici, vraiment là-dessus. Okay. Et là-dessus, je vais l'amener. L'amener ici. Là, toujours dans cette idée de frapper. Je passe, toujours dans l'idée de frapper, et je coupe pour l'amener sur le photocardiogramme. Maintenant, il se peut que, justement, sur ce mouvement, en fait, je relâche. C'est pas grave. Et du coup, on passe à côté gâchis. C'est-à-dire que ici, au lieu d'arriver à l'amener là, je perds la tension. Mais je continue. Ça va. Et je fais mon côté gâchis. Donc en fait, la différence, c'est simplement ici. Quand je suis là, j'attends que sa main revienne, justement. Oui, j'ai pas envie. Et normalement, il y a la deuxième qui arrive. Et là-dessus, je fais mon côté gâchis. Doucement. Donc, comme toujours, ici, je frappe derrière, je tourne, je reviens ici, je laisse se développer sa main et je rentre mon côté gâchis. Et je compte un petit peu sur le fait que, justement, il retire sa main pour venir chercher un. Tu restes dedans ? Oui, je reste dedans. Donc, après, on peut le faire scolaire. Donc, ici, je viens là, je m'enlève et je viens ici. Mais quand ça va vite, en fait, on n'a pas le temps de faire la rotation. Et donc, quand ça va vite, c'est juste ici, à mon tour de hanche. Donc, on va faire trop doucement. Mais vraiment ici, ici. C'est vraiment l'envoyé de hanche qui va faire qui va partir. Donc, pour décomposer encore une fois, ici je touche, avec la main derrière. Je bascule, j'attaque, d'accord. Donc c'est vraiment cette idée-là. Et quand il arrive ici, il faut vraiment que j'ouvre. Donc ça correspond en fait, j'ouvre l'ouverture, je reviens ici. Ça correspond à la rotation sur la forme pédagogique. D'accord. Pour quand il vient faire mon côté gâchis. Donc on a vraiment toutes les rotations qui sont dedans. Donc ici, là, ici. On en a toujours ici à notre sotokatenage. D'accord. Sur ce sotokatenage, en fait, on a évolué pour faire le côté gâchis. Et ce côté gâchis, il fonctionnait parce qu'il récupère sa main. Mais il se peut très bien qu'il ne veuille pas récupérer sa main parce que justement, il se doute de ce qui va lui arriver. Donc c'est pas grave. Un chien à vie. Donc, juste pour montrer, ici je suis, il ne veut pas, c'est pas grave, chien à vie. Sur le petit moment, sur la petite hésitation, ici, il récupère pas sa main, tant pis, pas chien à vie. Donc, plus doucement du coup, donc, ici, je suis là, je passe ici, il ne veut pas récupérer sa main. Hein, malgré le fait que je lui propose de récupérer sa main. Bah, du coup, je passe donc chez la vie. Non, parce que je ne vais pas forcément rester dans cette position-là indéfiniment. D'accord. Donc ici, par en dessous, je récupère ici. D'accord. Je lui propose le côté gâchis, il ne veut pas. Et regardez ici, c'est avec tout mon corps, je récupère le bras. Et ça marche parce que justement, quand je suis là, en fait, s'il veut récupérer son coude, si je fais ça, en fait, au contraire, je vais mettre en danger. D'accord. Si je fais ça, qu'il récupère, je me mets en danger. Et du moment où il ne veut pas, j'ai ici l'emmener. Vous voyez que là, son corps part vers l'avant. Et du coup, je peux facilement passer.